Et la promotion de la bonne gouvernance dans les collectivités territoriales au Burkina Faso est au cœur des actions de l'association Monde Rural. Et pour l'atteinte de cet objectif, l'association réalise depuis quelques années des études sur la gestion des affaires dans un certain nombre de communes partenaires. Les résultats de celles de 2018 sont restitués à Gourssi en présence de Nongwende Ouédraogo et Beleman Herman Nestor Toué. Une gouvernance assez satisfaisante, c'est l'appréciation que porte l'association Monde Rural sur cette étude réalisée sur la gouvernance locale dans 37 communes partenaires. L'étude qui vise à améliorer la gestion des affaires publiques s'est basée sur des indicateurs précis. Comment est-ce que le citoyen apprécie la transparence, la communication dans la collectivité, au niveau de la commune? Comment est-ce que les citoyens apprécient l'ensemble des services sociaux de base qui sont fournis aux citoyens? Comment est-ce que les citoyens apprécient la redevabilité, c'est-à-dire l'imputabilité, le rendu compte des gouvernements locaux? Comment est-ce que les citoyens apprécient le niveau de prise en compte des questions liées au genre et à la promotion des droits humains? La restitution de cette étude va permettre d'évaluer les performances des différentes communes partenaires et aussi d'inviter les responsables à améliorer leur gouvernance. D'une part, de pouvoir mesurer sur le terrain l'impact de l'accompagnement que la MR est en train de faire en termes de redevabilité et en termes de gouvernance locale au niveau de la commune, et d'autre part, de corriger les insuffisances qui vont être certainement relevées. L'association Monde Rural a été créée en 1996 et œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations rurales, notamment celle des femmes et des enfants. Elle intervient dans les régions du Nord, du Centre-Nord, du Centre-Ouest et de l'Est.